que la petite Marie, âgée de 18 mois, n'ont pas été papa ou maman, mais bip bip, merci, Vincent, la gueule. Bonsoir à tous et permettez-moi de vous souhaiter une bonne année. Les fêtes se sont bien passées. Tout le monde a bien digéré. Est-ce qu'on est prêt à jouer avec Gérard Vivès? Bonsoir. Bonsoir, merci, bonsoir. Elle est prête, j'en suis sûr, c'est Elisabeth Machado. Elisabeth, venez me retrouver, Elisabeth. Bonsoir, ma bête. Waouh! Elisabeth, belle comme tout. Bonsoir. Ça va bien? Bien! Yeah. Elle aussi, les Delphine Rose. Delphine, venez me retrouver. Delphine! Il sera bien entouré puisque c'est Sébastien Collin. Bonne année. Seb. Ah ben Seb, le chef des Village People. Bonsoir Seb. De femme ce soir, Vanessa Le Signol. Allez Vanessa. Salut Vanessa. T'as même pas vu. Bonsoir Vanessa. Boum. Un coup de boule. Elisabeth, Delphine, Sébastien, Vanessa, bonne année. J'espère que l'année va démarrer sur les chapeaux de roue. Elisabeth, vous nous arrivez d'où? De Provins, un petit village qui s'appelle Charlotte-la-Grande. Charlotte-la-Grande. Et vous êtes de quelle origine? Portugaise. Légèrement, petit accent, petit accent. Delphine, bonsoir. Bonsoir. Bonne année. Bonne année. Faites quoi dans la vie? Je suis secrétaire au département, au conseil général. Ah ouais, ah ouais. Du Pas-de-Calais. Ah ouais, ouais, non, on a vachement besoin du conseil général, généralement. Sébastien, bonne année. Merci, vous nous arrivez d'où? De Saint-Macaire-en-Mouge, dans le Maine-et-Loire, à côté de Cholet. Et Cholet, très bien. Quelle est la résolution que vous avez prise pour 2011? Retrouver les abdos quand j'avais 20 ans. Il y a du boulot. Oui, moi aussi, j'ai décidé ça, mais il y a déjà quelques années, et j'ai oublié. Là, j'ai dit, bon, allez, tu sais, tant qu'à être heureux, autant profiter. Vanessa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la plus jeune des quatre. Oh, c'est mignon, les ballons avec des cœurs. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Je suis en congé parental. Déjà? Oui, j'ai deux enfants. Deux enfants? Oui. Très bien. Quelle est la résolution que vous avez prise pour l'année 2011? Quand on continue à m'amuser, rigoler encore. C'est pour ça que vous êtes venu avec nous sur le juste prix. À la bonne heure. Je vous propose à tous les quatre de vous sélectionner en ce début d'année grâce à ce cadeau de sélection que voilà, il est où le... Il est là-bas. Face à toi, c'est une fontaine en polyrésine qui distille un son harmonieux et qui est éclairée par un cercle de LED. Elle distille un son harmonieux. Pas la petite fontaine. Ah ouais, ça fait glou-glou. C'est un son aquatique. Combien la fontaine, Elisabeth? 290. 290 pour Elisabeth. Delphine? 310. 310. Seb? 160. 60. Et Vanessa? 110. 110. 290, 310, 160, 110. Le juste prix de la fontaine Zen au son aquatique est en 2. Vous l'avez dépassé, Delphine. Ah. Il fallait dire 290 pour 290. C'est Elisabeth. Viva la Portugalesh. Ouais, football. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Elisabeth? Retraitée. Retraite déjà? Célibataire. Tiens, mais vous êtes gaulée comme une fille de 20 ans et vous êtes déjà... Merci. C'est vrai, elle est dynamique, elle est dure, elle est toute en muscles. Ouais, j'aime ça. Vous avez des enfants? Une fille mariée et deux petits-enfants. Déjà, ça s'est fait. Et je cherche un amoureux. Et vous cherchez un amoureux. Gérard? Oui. Elisabeth cherche un amoureux. Ah bah, il faut que je me remette en forme. Le temps de maigrir et j'arrive. Tu sais, t'as là, t'as des patchs? Non, parce qu'avec les fêtes et tout ça, j'ai eu tendance à beaucoup me, tu vois, sustenter. Et donc là, j'ai que des produits, tu sais, avec le bureau de vérification des goûts. Je dois vérifier les articles qu'on va retrouver. C'est que des trucs d'amincissement. Et effectivement, j'ai quelques patchs. Parce qu'il faut vraiment que je perde un peu de poids, tu vois. Et là, t'es en train de tester quoi, là? Bah, là, c'est une boisson qu'on va revoir tout à l'heure. Mais ça permet de ça draine terriblement. D'accord. Donc il faut... Non, mais j'ai vraiment un gros dent, mais je comprends. Fais gaffe. Qu'est-ce qu'on propose à Elisabeth? Oh, ça a l'air vachement bon, hein. C'est acide, ouais, je te confie. Ce sera la douche écossaise. Voici la douche écossaise. Allez, fille. Aïe. Sylvie, elle a tout de suite compris. Ah non, pas la douche.
plus écossaise. Notre sympathique Elisabeth va tout de suite savoir pourquoi elle joue. Une salle à manger. Le style Empire en EVA massif avec une table et deux rallonges de 50 cm, 6 chaises paillées, un buffet avec deux portes et trois tiroirs. J'ai tout en bois. Tout en bois. J'ai tout en bois. J'ai le bois d'arbre. J'ai le bois d'arbre. J'ai le bois d'arbre. Voilà. Non, on va pas passer à table maintenant, Elisabeth. Elisabeth, on en sort. On sort de table, on vient de bouffer pendant 4 jours là. Alors. Vous allez pouvoir prendre autant de douches qu'il y aura de bonnes estimations. Arrête de te drainer. Non, mais il faut que j'élimine vraiment. Et tiens, minceur, brûler, éliminer. Bah, c'est exactement ça. Ah ouais. Et ça brûle les graisses et ça élimine l'eau et les toxines avec. D'accord. Et c'est très acide. Hein. Ça contient du guarana, ça te file la pêche donc, du maté, du cola et de l'ortie. À votre avis, ça vaut plus ou moins de 7,50€. Et il y a du pissenlit aussi. Plus. On dit plus cher que 7,50€ et c'est moins cher. Je viens de promener une douche. Toujours voilà. Au thé vert, c'est des patchs. Regardez, patchs. J'en ai mis. C'est des patchs. Les patchs, mais mâcheurs. C'est l'hypodestockeur. Ça prend tes réserves de graisse et ça déstocke. Mais là, tu vas finir en fax, toi, là. Ah, moi, il faut que je maigrisse. Hein. Plus ou moins de 9,90€? Plus. Plus de 9,90€. Ouais. Oui. Allez, une douche. C'est du thé vert. C'est à l'orthosiphon. On va faire ça savoir. Alors... C'est un genre de la famille des lamiacées, vois-tu? Ah ouais, lamiacées. En fait, ça s'appelle aussi, on l'appelle du plus communément du thé de Java. Allez, faut que j'avale. De Java? Arrête, de Java. Allez, j'avale. Vas-y, avale le Java. Plus ou moins de 10? Plus. Plus. Ouais. Et de 2 douches, et on termine par quelques calories quand même de la confiture Reine Claude, mais elle est allégée. Elle est très allégée, celle-là. Mais oui, mange en plus. La Reine Claude, ça a certains avantages aussi. Ça t'aide à drainer. Alors, plus ou moins d'un 95, la confiture allégée. Moi. Elisabeth. Moins cher. Moins plus, cher. Plus. Plus cher. Plus. Plus cher. Ah oh. Oh. C'est bête. C'est bête. Alors, nous avons 5 douches. Vous pouvez en prendre 2 sur les 5 en espérant que la douche prise soit une douche de pièces d'or. Si les pièces d'or tombent, vous repartez avec la chaîne de la mangèche en entièche, ouais. Avec les chaises, oui. La table et oui. Tout ce qu'il faut. Soit vous décidez de prendre vous-même les 2 douches, soit oui. Vous appelez les copines. Oui, les copines. On appelle les copines. Oui. Les copines. Il nous faut les 2 copines. Les 2. Bonsoir Rosa, bonne année. Bonsoir, merci. Moi aussi, bonne santé. Bonsoir Sylvie, bonne année. Bonne année. La santé, on l'a. Ben, vous n'allez pas vraiment avoir besoin de la sucette, parce qu'on va passer au jeu directement. Le brushing, c'est mort. Alors oui. Elisabeth, pour mettre un peu plus de pression, je tiens à vous donner le montant de cette salle à manger. Oui, c'est important. Elle vaut 3172 euros. 3172 euros. Alors, il y a une douche avec des pièces d'or, une douche avec des boules de Noël, des guirlandes, de la neige et... Surprise. Surprise. De l'huile de vidange. Voilà. La bleue. Sylvie. La rose. La rose pour Sylvie. Sylvie, mettez-vous là. Ne bougez pas, ne touchez à rien. Avancez un tout petit peu et on ne bouge plus. Ah, c'est bien. C'est bien là. Et Rosa. La violette. Allez, mettez-vous là. C'est la violette. C'est la violette. Non, c'est pas la couleur de l'eau, ça, c'est la couleur de bonheur. Avancez un petit peu, parce que là, vous allez être mouillés. Là, vous n'êtes pas mouillés. Pas de touche. Alors, on commence par laquelle? Sylvie, elle a pas été la rose. Allez, c'est parti. Allez-y. Allez. Ouais, ça va, on s'en sort bien. Hein. Il y a un petit peu d'eau, mais il y a beaucoup de plumes. Rosa, que c'est peut-être la farine, que c'est peut-être les pièces d'or. Attention, fermez les yeux. Allez. Descendez les filles. Elisabeth, la fontaine plus la salle à manger, vous avez déjà en poche des gains d'un montant de 3471 euros. Allez, je vous explique. Ce soir, c'est un voyage de 10 jours pour 2 personnes à l'île Maurice dans un hôtel 4 étoiles. Pour cela, vous devez me dire
Lequel de ces deux objets entre cette sorbetière et ce caméscope est le plus cher? Si vous pensez que c'est la sorbetière qui est plus chère que le caméscope, vous envoyez le 1. Si vous pensez que c'est le caméscope qui est plus cher que la sorbetière, vous envoyez 2. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 713 ou bien par le téléphone en composant le 3680. 10 jours à l'île Maurice pour 2 personnes dans un hôtel 4 étoiles. Le nom que vous voyez s'afficher en bas de votre écran est celui du gagnant de la dernière émission. Et maintenant, tu reçois, tu accueilles Marie-Hélène Colléo. Marie-Hélène Colléo. Colléo quoi? Bah mais non, c'est pas... C'est Marie-Madeleine, pas Marie-Hélène. Bonsoir Marie-Madeleine. Ça va? Vous allez bien, je vous en prie, installez-vous. Bonne année Marie-Madeleine. Bonne année. Vous avez pris quoi comme résolution, vous, cette année? Bah de rester la même. Ne changez rien. Ne changez rien. Des enfants? Oui, deux filles. Vous êtes venue avec qui? Mon mari, enfin tout le haut. Ah, tout le haut, c'est à vous, là. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Six grandes... Oh. Cinq. C'était six, cinq. Je sais pas si on va faire le compte à rebours. Hey, enfin, tu sais quoi, au début, il y avait 15 commandements et Moïse, il en a fait tomber une. Il avait plus bah voilà, six hein. Grandes assiettes en ardoise. 24 cm sur 32, elles sont munies de petits patins antidérapants. Oui, t'as vu, c'est antidérapant. Ah, okay, ça empêche qu'elles tombent. Elles tombent pas comme ça. Combien, Madeleine, les 6 ardoises? 27. 27 euros. 27 euros. 40. 40 pour Delphine. 26. 26. Et on finit avec Vanessa. 150. 150, allez, carrément, 150 euros. 27, 40, 26, 150. Le juste prix des 6 ardoises est en 2. Alors vous êtes sur orbite là. Hein. Allez, pour vous, je fais la danse du juste prix. Ah, complet. Par contre, vous venez de vous faire voler la priorité à 1 euro, dis donc. Vous avez dit 26, elle a dit 27, c'était 29. Bravo Marie-Madeleine. À la bonne heure. C'est qui le monsieur costaud taillé comme un. C'est comme mon cher et tendre mari qui vous adore. Ah ouais, c'est. Ouais. Ah, c'est pas des mains qu'il a, c'est des planches à laver. Qu'est-ce qu'on propose à Marie-Madeleine? Du prix suspendu. Ah, et voici le prix suspendu. Attention, là, il y a des pièces, hein, tu roules dans l'argent, là. Voilà, vas-y, étale le chocolat partout. Ah, celle-là, dans les manœuvres, elle n'a pas le permis, tu te demandes pourquoi, hein. C'est un nouveau jeu où on fait tout péter. Oula. Mais quand je dis on fait tout péter, c'est... On fait tout péter. Vous allez me donner un coup de main quand même. La table des détonateurs. D'accord. Les estimations. Ouais. Les bombes à retardement. D'accord. Équipées chacune d'un prix. Le cadeau. Marie-Madeleine, regardez. C'est un piano de cuisson. Ouais. Avec... 7 brûleurs à gaz, dont un brûleur wok, 3 fours électriques, un à convection naturelle, un multifonction et le dernier à chaleur ventilée. Alors, on reviendra à ça tout à l'heure. 3 estimations. Oui. Chaque fois que vous faites une estimation, vous avez le droit de choisir une des bombes. Parce qu'il faut d'abord estimer le prix du piano. D'accord. D'accord. Oui. Alors, on va déjà faire le jeu, après on fera les estimations. D'accord. Tout d'abord, cet halter. C'est un réveil halter avec une petite partie... Hey, comment il s'appelle votre mari? José. Hé hey, José, il y a ton réveil. Alors effectivement, tu le manipules fort bien puisque pour arrêter sa sonnerie, il faudra faire 30 tractions. Ah ouais, ouais. J'en ferai qu'une et ça finira à la tête le truc. Hein. 19 ou 91? 19. 19 euros, si c'est 19 euros, on gagne une première proposition. 19. Yes, bienvenue. La cafetière ou le réchaud? Une bouilloire. Rétro éclairé d'un litre 5 avec mise en veille automatique. Vous pouvez choisir la température de votre choix. Elle s'affichera sur l'écran. 79, 97. 79. 79 euros et c'est bon. Et deux. Oh, il est trop mimi, hein. Un singe qui rigole dès que vous le chatouillez. Ah ouais, d'accord. Qui peut faire? Qui est content? C'est bon, calme-toi. 12 ou 21 euros? 21. 21 euros? Ouais. Moi, je dirais 12, mais allez, 21. Eh bien!
qui est dans un état son mari. Ouah, elle passe pas devant quand il est content. Hein. Alors, à votre avis, combien coûte ce piano? 1850, 2499, 2149 ou 2995? 2499. On le voit, 2499. Donc, ouais. Vous avez gagné 3 clés sur 4. Ouais. Si c'est pas ça, on a droit à une deuxième chance. D'accord. Ça sera quoi? 2149. Le 2149. Et puis si on n'a encore pas de chance, on prendra quoi? 2995. 2995. Alors, vous avez dit 2499, je mets en route. Oui! Le deuxième, on y a droit aussi. Oui! Et le troisième, on a droit aussi. Yeah. Il suffit de faire un quart de tour pour faire péter. Si ça explose avec un feu d'artifice, c'est gagné. Si ça part en fumée, c'est paumé. D'accord. Allez-y. C'est pas le bon. Le deuxième, allez-y au deuxième. Et essayons le dernier. Ouais. Celui-là, il marche. Donc, c'est gagné, bravo, Marie. Merci beaucoup. Allez, Marie Madeleine, 6 assiettes plus le piano de cuisson. Vous avez déjà en poche 2528 euros. Je sais que vous qui nous regardez chez vous, vous seriez tenté par un voyage de 10 jours pour 2 personnes dans un hôtel de luxe 4 étoiles à l'île Maurice. Pour cela, vous devez me dire si cette sorbetière ou ce caméscope est le plus cher. Ouais. Si vous pensez que c'est la sorbetière, vous envoyez le. Ouais, je pense que c'est la si vous pensez que c'est le caméscope, vous envoyez le. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7-13-13. Ou bien vous avez la possibilité aussi de composer sur votre téléphone le 36. Et voilà, c'est aussi simple. 10 jours sur l'île Maurice pour 2 personnes dans un hôtel de luxe. 4 étoiles. Ouais, 4 étoiles. Et si j'y suis, il y en aura 5. Et maintenant, tu reçois, tu accueilles Nadia Maya. Nadia, toute de chaîne vêtue. Très jolie. Aïe, marchez-moi. Je vous en prie. Bonne année, Nadia. Merci, bonne année à vous. Vous êtes enchaînée à un homme? Pas, j'en ai pas. C'est vrai, vous n'avez pas d'homme? Non. Très bien. Gérard! Oui? T'as du boulot hein, cette année. Hein. Non mais attends, je maigris, je vais être en forme. Je dis qu'à la fin de l'émission, ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nadia? Je suis assistante maternelle. Très bien. Vous avez vous-même des enfants? J'en ai 3. Très bien. 3 grands. Quel âge ils ont? 25, 21 et 13. Et comment vous faites pour rester comme vous êtes après avoir... Parce que 25 ans, ça veut dire que vous avez au moins 35 ans. En 10 ans. 36. J'en ai 36. C'est vrai? J'ai 41 ans. Bravo, félicitations. Bravo. Bravo. Ben, Nadia, vous êtes... alors ça, c'est... C'est un appareil de décongélation express. Il suffit de déposer tes steaks dessus, tu vois, sur la plaque, tu presses le bouton et c'est parti, comme les ballons. D'accord. Il y a un indicateur thermochromique. Nadia, combien vaut ce décongélateur à steak? 30 euros. 30 euros. Delphine? 29. Sébastien? 33. 33. Vanessa? 40. Là, c'est assez tirs groupés. 29, 30, 33, 40. L'appareil à décongeler est en 2. Ah ouais, j'ai cru qu'on avait un juste prix. Oh. Oh. Vous l'avez dépassé d'un euro, Vanessa. Il était à 39. Et pour 33, c'est Sébastien qui s'y colle. Bravo Seb, félicitations. Vous êtes venu avec qui Sébastien? Avec des collègues et mes parents et ma sœur. D'accord, c'est quoi pourquoi un casque? Parce que je suis chef de chantier et puis tous les jours j'ai un casque sur la tête, dans la maçonnerie. D'accord, vous êtes dans le bâtiment. Voilà, on a froid. Et tu sais quoi, tu maigris à vue d'œil là. Non mais là je suis bien, je suis à 64 kilos, je suis impeccable. Là. Ah ouais. Depuis le début de l'émission, il a perdu 14 kilos. Bien, on verra dans quel état il est juste après la pub.